Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec deux jeunes niveau 4 et on va parler de deux choses, c'est recyclage niveau 4 et puis le plus beau site de plongée de Marseille. Alors comme deux jeunes niveau 4, on a Frédéric qui est en niveau 4 cette année. Il y a un an et demi, deux ans. Ah, il y a déjà deux ans. Et toi Patrice, c'était quand? Alors moi j'ai eu le deuxième échelon en 82. 82. Et une équivalence niveau 4, je ne sais pas quand. D'accord. Alors ce que j'ai adoré, c'est moi j'ai fait la connaissance de Patrice l'an dernier, qui m'a contacté en fait pour faire un refresh du niveau 4, c'est ça? Même pas du niveau 4, un refresh général. Ouais. Donc ça c'est une démarche vachement humble et vachement profitable en fait, hein, puisque ça a permis à Patrice de réexercer ses prérogatives de niveau 4. Oui, hein, en toute confiance, puisque j'ai dit j'étais un peu endormi, bon ça revient vite, mais c'est pas mal de rafraîchir. Ah, même chose, Frédéric, toi tu viens régulièrement plonger avec nous, faire des formations complémentaires. Qu'est-ce que tu as fait là ces derniers temps? Je suis en train de travailler sur Nitrox confirmé, donc beaucoup de Simon. Et puis bon, là, on s'est amusé aujourd'hui sur le Liban, donc au Pharion, hein, un des plus beaux sites de plongée du monde. Non pas de Marseille, mais du monde, je dis bien. On était sur le Liban à 37 mètres et puis on s'amusait, je m'amusais à passer à travers la cage de la cabine, en fait, de l'arrière du bâtiment, avec tout le Simon, tout l'équipement, etc., pour être en stabilité, enfin en stabilisation nickel, grâce au conseil de Vincent. Alors je rappelle que le Liban et les Pharions, c'est quand même une plongée exceptionnelle avec un super décor, des grandes arches, etc. Et puis cette épave, hein, qui est issue d'une catastrophe, qui a été une grande catastrophe maritime, qui gît par 32 à 35 mètres de fond. Toi, qu'est-ce que tu as préféré sur le Liban, Patrice? L'ambiance et les superbes murs. Oui, parce qu'on approche régulièrement des mérous là-dessus. Vraiment des belles bêtes. Enfin bref, un spot à ne pas rater, hein, dans le parc des Calanques à Marseille. Et puis n'oubliez pas d'entretenir vos compétences, hein, et l'humilité de vous dire que vous êtes peut-être un peu rouillé et que c'est donc le temps d'aller à l'eau à nouveau. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'aimez pas, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Au revoir.